amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve dans mon jardin. Voilà, il fait très chaud. Et du coup, je voulais diamanter avec vous. Et comme promis, je voulais vous faire un petit retour d'une toile que j'ai prise. Alors, c'est pas une des dernières toiles que vous avez vues, c'est une toile que j'avais fait faire il y a quelques temps. Et cette toile, elle est ressortie, non pas parce que j'avais envie de la faire, mais j'ai envie, si, de la faire pour une raison bien particulière. C'est lié à ma sœur de cœur, c'est-à-dire Isa de la chaîne Stitzaz, voilà, qui, pour ceux qui ne le savent pas, et elle ne l'a pas mis en gros et grand, mais maintenant elle ne le cache pas et je pense qu'elle a raison, elle n'a pas de raison de se cacher. Et atteinte de la maladie de la sclérose en plaques, qui est une foutue et putain de maladie de merde. Voilà, et donc le 31 mai, c'était la journée de cette maladie. Et Isa nous a proposé à beaucoup d'entre nous de participer à une sorte de, on va dire un fil rouge, mais un fil bleu, puisque du coup c'était ruban bleu. Et le but était de démarrer un projet ensemble avec une couleur bleue. Donc on pouvait démarrer sur une toile, sur un point de croix, sur un coloriage, sur un objet, enfin tout plein de choses du moment qu'il y ait du bleu. Voilà. Donc moi, j'ai pas beaucoup de choses en bleu, puisque comme vous connaissez, moi je suis Madame Verte, n'est-ce pas? Mais j'avais cette toile. Je crois que c'est ma copine Sandrine de la chaîne Didine qui m'avait trouvé l'image. Et du coup, j'avais fait un petit perso là-dessus. Je voulais en même temps tester un vendeur que je vous en ai déjà parlé puisque j'ai déjà 3 toiles. Donc c'est la première que je démarre. Donc c'est un vendeur sur AliExpress qui s'appelle je vais y arriver, Advanced Diamond Painting je crois, ou Advanced Diamond Painting Store, enfin je sais plus, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et du coup je me suis dit, bah allez, c'est l'occasion, fais cette petite toile. Donc voilà, donc c'est un vendeur qui vous fait des persos, qui a quelques toiles aussi. Et les persos, il peut vous les proposer avec des AB. Voilà. Donc en ce moment, on a quand même pas mal de vendeurs de Diamond Painting qui nous proposent des toiles avec des AB. Donc après, on connaît tous Oraloa et Dac, qui pour moi sont les meilleurs. Et puis bah du coup, il y a ce vendeur-là. On en a de nouveau comme Home Fun. Donc j'ai pas encore testé. J'ai commandé 2 toiles qui sont arrivées. Vous allez voir les vidéos. Peut-être que vous les avez vues. Je ne sais plus où j'en suis dans mon ordre de vidéos. Et il y en a encore un autre. Je crois c'est Trimmer Design. Voilà. Donc je trouvais sympa de vous faire un retour sur ce projet ruban bleu qui a été organisé par la copine Stitzaz. Alors, quoi vous dire, les diamants, comme vous pouvez le voir, ils sont très au niveau des couleurs, franchement il n'y a rien à dire. Alors je ne vais pas montrer mon image parce que je vous montre que le bas. Donc voilà, je vous montre l'image, j'espère que vous allez peut-être la mettre comme ça, je sais pas. Donc c'est une jeune fille avec des lunettes de soleil. Derrière vous avez un petit combi Volkswagen, le Peace and Love et des couleurs, voilà. Donc ça me représente un petit peu comme elle m'a dit Didine et elle a pensé à moi. Bon, à l'époque j'avais des cheveux bruns, maintenant j'ai les cheveux blancs, hein, comme vous le savez. Mais bon, voilà, je trouvais que c'était un peu dans mon esprit tout ce que j'aime. Et j'ai fait cette petite toile en 30 par 40 parce qu'il y a... Enfin, je m'étais dit au niveau détail, ça devrait aller. Donc c'est vrai que quand on voit là, sur les 2 premiers carrés que j'ai fait, c'est pas trop mal. Voilà, donc voilà, on peut se dire, bon, quand on met la tablette, par contre, je vous cache pas qu'il y a des écarts. On le voit aussi là qu'il y a quelques écarts. Donc après, c'est pas catastrophique. Moi, ce qui me pose problème, j'ai tellement de mal maintenant avec les diamants acryliques hein, carrés. Que voilà, j'ai un peu de mal avec cette toile parce que c'est de l'acrylique et je suis vraiment, je crois que maintenant je vais rester dans le carré, dans la résine, parce que l'acrylique, je peux pas au niveau des carrés, c'est un truc de malade quoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous expliquer, mais bon, c'est comme ça. Alors il n'y a pas le clac-clac hein, comme sur certaines toiles ou voilà. Donc on a des petits écarts quand même, hein, on le voit bien là. J'ai quelques diamants qui se sont un petit peu décollés, donc je repasse le rouleau. D'ailleurs, je vois qu'il y en a 2 qui se sont fait la malle, donc on va les remettre.
Donc je passe le rouleau à plusieurs reprises, donc je suis en train de me tâter si je ne vais pas vernir les trois premières et puis continuer ensuite, parce qu'ils sont toujours en train de se décoller et comme vous voyez, je suis en train de tout le temps remettre. Donc je ne sais pas si c'est lié avec la chaleur. La toile, ça fait un bout de temps que je l'ai, donc je ne vais pas remettre en cause la qualité de ça et pourrir le vendeur, parce que je me dis que c'est peut-être pas ça, c'est peut-être lié à moi. Voilà, là c'est vraiment la seule chose que je peux reprocher. Bon, le layout sur la toile, il est nickel comme on peut voir. Hein, c'est franchement, on voit super bien. Là, je suis dehors, je n'ai pas besoin de tablette. Bon, c'est vrai que le soir, par rapport, toujours je compare à Dac et Oraloa, où on ne met jamais de tablette. Le soir, là, tu es obligé quand même de mettre une tablette, sinon tu as du mal à voir les petits symboles. Mais ça, je crois que c'est tous les toiles un peu de nos amis chichi, quoi, sur AliExpress, nos partenariats, tout ça. Sans la tablette, on a du mal quand même à voir. Voilà, les AB, bah, écoutez, comme vous pouvez voir, ça brille. J'ai eu quelques déchets, mais on ne peut pas dire énormément sur ces deux premières cases. Donc voilà. Donc du coup, on va faire cette troisième petite case ensemble. Et ben voilà, je me suis absentée quelques temps. J'ai mon mari qui m'a fait une surprise et nous sommes partis quelques jours dans le sud du Portugal. Voilà, on est parti en combi Volkswagen. On a traversé la France, on a traversé l'Espagne et on est arrivé dans le sud du Portugal. Et on a passé quelques jours... Bon, hé, les oiseaux, taisez-vous, là, vous faites trop de bruit. Hein. Oh là là là, vous avez vu comment ça piaille. Bon, il faut savoir que j'ai un petit nid là-haut où je suis. Et il y a des petits bébés qui sont nés, donc ça piaille. Bon, après, c'est la nature. Hein. Ils étaient là avant moi, donc on les laisse. Hein. Donc, revenons à nos moutons. Je suis partie et ça m'a fait un bien de ouf. Voilà, j'ai eu depuis 4 mois, c'est pas évident pour moi. J'en ai pas parlé, j'en parlerai pas, c'est pas le sujet. Mais je remonte tranquillement et mon mari m'a fait ce plaisir-là en me disant on en avait besoin. Il fallait qu'on se fasse un point sur ce qu'on allait faire sur notre avenir. Pas notre avenir de couple, hein, je précise, notre avenir personnel, mon avenir professionnel. Donc on est rentré avec plein de projets. Mais ça, je n'en parle pas parce que pour l'instant, je n'en parlerai que quand ça sera effectif. Certains sont dans la confidence, donc vous gardez le secret. Voilà, c'est tout ce que je vais demander. J'ai pas du tout envie que ça tourne... Ça tourne à l'envers et puis tant que j'ai pas réglé tous mes soucis de santé, je veux pas avancer et faire n'importe quoi. Voilà. Donc, tout ça, revenons à nos moutons. Donc, j'étais partie en vacances. Je vous ai quand même tourné des vidéos avant de partir, donc je ne vous ai pas oublié. Donc, vous avez eu plein de vidéos, vous avez mis des commentaires. Donc, j'ai répondu comme je pouvais parce que on est à l'étranger, occupé toute la journée. Donc, c'était pas évident et je pouvais pas vous répondre tous les jours, mais je vous ai pas oublié. Je suis rentrée, j'ai fait un point, je crois que je vous ai répondu à tous et à toutes sur vos commentaires, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je ne supporte pas de voir des chaînes où il y a plein de gens qui mettent des commentaires et que ces gens-là ils ont plein d'abonnés, plus ou moins réels ou pas, donc ça c'est un autre sujet, et qui répondent pas aux gens qui leur laissent des commentaires. Moi je pars du principe, par correction, quand on arrive à 900 abonnés comme moi actuellement, je vois pas 900 commentaires. Mais bon, je dis bien que j'ai bien 900 abonnés, je n'ai pas triché, je n'ai pas de faux abonnés. Vous avez été là, vous avez vu grandir la chaîne en même temps. Donc du coup, déjà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas, beaucoup qui ne répondent pas. Il y en a beaucoup qui sont abonnés et puis qui sont partis. Il y en a qui sont là, qui sont venus abonnés juste pour les concours et puis qui restent abonnés. Donc voilà, donc c'est dommage parce que j'aime tellement l'échange que j'aimerais bien pouvoir... si je pouvais parler à mes 900 abonnés, ça serait génial. Donc, en aparté, mais après, je sais que tout le monde n'a pas la facilité de parler, n'est pas une pipelette comme moi, et puis il y a des gens plus ou moins discrets, donc ça, je le respecte. Voilà, donc, on va faire cette case. Revenons à nos moutons, toujours en train de m'éparpiller. Donc, pendant que j'étais en vacances, j'ai été taguée. Alors, j'ai 3 tags en retard. Donc, j'ai été taguée par Catherine de la chaîne Green Angel DP, je crois, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, on va faire son tag. J'ai été taguée par Didine. Donc, Didine, t'inquiète pas, je vais faire ton tag. Et j'ai eu le tag aussi des copines du Canada, là où je crois qu'il doit y avoir avril et mai. Et j'ai pas fait avril et mai. Donc, on fera une vidéo avec des tags. J'adore ça. Donc, j'en ai fait, hein, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était à Pâques.
Bon, là, j'avoue, j'ai pas le temps. Donc, autant prendre les tags des copines et répondre aux tags des copines. Alors, elle a fait ce qu'on appelle le tag des abonnés. Donc, du coup, elle a demandé à ses abonnés de lui envoyer des questions et qu'elle allait répondre. Voilà, donc elle a trié quand même parce qu'il y avait des questions qui étaient personnelles qu'elle n'avait pas envie de répondre. Et je trouve ça très, très bien qu'on ait tous notre jardin secret et puis qu'on n'ait pas là pour non plus balancer sa vie. Sinon, on va sur une émission de télé et puis on fait de la télé-réalité. Donc voilà, donc c'est pas le but. Donc je vais répondre au petit tag de Catherine que j'ai trouvé très sympa. D'ailleurs, ça m'a donné une idée. Comme vous savez, j'ai fait un live improvisé il y a quelques temps et il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en me disant: mais Nanou, quand est-ce que tu refais un live? C'était génial. Alors ouais, c'était génial parce que c'était un live instantané que j'ai ramé, comme d'hab. Donc je me suis dit, ben oui, maintenant que vous avez vu ma tête, ben, je vais faire un live avec ma tête. Hein. Donc voilà. Donc je vais faire un live dans pas longtemps. Du coup, ce que je vous dis, comme Catherine, elle a fait un super tag, et ben moi aussi, je vais donc vous demander à mes abonnés de m'envoyer par mail une question. Voilà. Donc alors en espérant que j'ai pas 900 questions, puisque vous êtes 900. Peut-être qu'il y en a qui vont se regrouper, peut-être qu'ils vont être dans un ou deux. Donc voilà. Ne vous fâchez pas si je réponds pas à tous. Je les garderai et on fera un autre live avec deux autres questions. Voilà. Donc mon adresse mail c'est en incrustation. Vous m'envoyez vos questions. Je sais pas quand est-ce que je ferai le live parce que ben. On le fera sûrement peut-être dans les 15 jours qui arrivent, parce que là je suis rentrée de vacances, je vous ai programmé pas mal de vidéos, donc il y a eu pas mal de. Alors oui, vous allez avoir des vidéos unboxing parce que j'ai eu pas mal de colis pendant que j'étais pas là. J'avais commandé des choses pendant que j'étais pas là, ils sont arrivés, donc voilà. Donc on va répondre aux petites questions de notre copine Catherine. Catherine, merci de m'avoir taguée déjà. Voilà, Catherine fait partie une de mes belles rencontres cette année sur YouTube. Elle participe au fil rouge Gorgeous avec bah, toutes les copines qui participent. Elle est venue en route et franchement, voilà, j'adore cette personne. J'adore son naturel. Elle est aussi brute de pomme comme moi sur ses vidéos. Elle fait des conneries comme moi. Donc voilà. Donc ça j'adore parce que bah, j'aime pas quand les vidéos elles sont préparées, que c'est pas naturel. On sent que c'est. Voilà. Donc, moi, je préfère être comme je suis, brute de pomme. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est pas grave, ça plaît, vous restez, ça plaît pas, vous restez pas. Et puis, Alien Kepora, voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Enfin, peut-être que tu diamantes, Nanou. Donc, du coup, on va faire cette toile, cette case, pardon, de chez Advanced Diamond Store. Et on va répondre au petit tag qui a été fait, donc le tag des abonnés de notre amie Catherine. Alors, c'est parti. Donc déjà, alors bien sûr, j'ai oublié ma pince, donc on va faire au stylet, c'est pas grave. Je l'ai laissée à l'étage, comme vous pouvez voir, je vous ai mis dans le jardin, comme je vous disais, donc il fait très très chaud. Et il nous annonce, je crois, plus de 32 ou 33 degrés au soleil d'ici la fin de semaine. Non pas que j'aime pas la chaleur, je reviens du Portugal où j'avais ces températures-là, mais quand on est au bord de la mer, c'est quand même différent qu'ici en région parisienne, où même si je suis quand même pas dans le centre de Paris et que j'ai la chance d'être à la campagne, bah, il fait chaud. Hein. Donc voilà, donc là on s'est mis sous le parasol, et puis après on va dire, on va pas se plaindre, hein, parce qu'on s'est plaint qu'il faisait pourri, on s'est plaint qu'il faisait froid, qu'on n'a pas eu de printemps. Le problème c'est qu'on n'a pas eu de printemps, c'est qu'on est passé de l'hiver à l'été directement. Donc voilà, alors on va démarrer avec la première question. Alors, avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors, ouais. Alors, qui fait tout? Non, hein, parce qu'il ne faut pas quand même abuser. On fait pas mal de choses ensemble, on fait le ménage ensemble. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plus moi qui fais le ménage parce que ben, je suis en arrêt maladie. Donc, du coup, ah, hop, hein, avec un petit trou, on va le mettre de côté. Donc je suis en arrêt maladie, donc j'ai un petit peu de temps et je trouverais quand même pas logique que mon mari se tape le ménage alors qu'il travaille et que moi je suis à la maison. Mais j'ai quand même un mari, voilà, qui, on va dire à la période où je travaille, mon mari, on se partage les tâches.
Il y a eu un moment, j'ai eu un gros ras-le-bol sur la bouffe. C'est lui qui faisait à manger le soir. Enfin, quoi vous dire, le premier qui rentre étant le linge, le premier qui rentre vide le lave-vaisselle, étant la machine à laver. Enfin bon. Donc en fin de compte, ouais, j'ai un mari en or. D'ailleurs, voilà, il m'a fait cette belle surprise d'être parti à l'étranger qui n'était pas prévu. Il a tendance à me faire de belles plaisirs, de beaux cadeaux. Voilà, donc j'ai. Ouais. Et puis bah, c'est peut-être pour ça que ça dure. Hein. On a eu des hauts et des bas. Et puis, on s'est mariés. Hein. Alors là, on va fêter. Oh, on va fêter. Donc, alors attendez, rigolez pas parce que moi et les chiffres, c'est une catastrophe. On s'est mariés un 24 juin 1995. Alors on compte. On compte ensemble, hein, comme ça on est sûr que je ne vais pas faire de conneries. 95, 2005, 2005, 2015. D'accord, ça fait 20, 15, 16, 17, 2015. Je suis partie. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà, c'est ça. 23. Oui, donc 28 ans de mariage. 28 ans de mariage que nous allons fêter le 24 juin. Donc, je discutais avec une copine récemment qui me disait, tu sais, il n'y en a plus beaucoup qui ont 24 ans de mariage. Si, peut-être dans les anciennes générations, voilà. Mais bon, donc bah, nous, on va fêter 24 ans de mariage. Et après, on se connaît depuis 7 ans en amont. Donc, allez, on continue dans les chiffres. Hein. Donc, ça fait 37 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, 37 ans que l'on se fréquente. Oh, ça fait mal, hein, ça fait mal. Hein. Et c'est pratiquement toute une vie, j'ai 54 ans, donc voilà. Donc, ouais. Donc il y a des fois on supporte à moitié, hein, comme tous les mariages, et des fois ils me cassent les bonbons, même si j'en ai pas. Mais bon, voilà, j'ai un mari en or. Et il y a des fois je le changerai. Je déconne. S'il passe par là, il va me tuer. Il y a des fois je le changerai parce que il m'énerve des fois. Et puis, il est chiant des fois. Et puis après, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. D'ailleurs, on en discutait pendant nos vacances. Vous allez rigoler. Hein. Du coup, je disais, oh, mais parce qu'on parlait de la vie et de la mort, de la retraite, bah oui, on vieillit. Hein. Et il me dit toujours, je vais partir avant toi. Je lui dis, mais non, tu vas pas partir avant moi. Peut-être que moi, je vais partir avant toi et tout ça. Puis je lui dis, bah, quand je serai plus là. Tu vas t'emmerder. Et puis lui, il me dit, bah toi aussi. Et je dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, je te rassure, hein, je ne prendrai pas une femme. Ni un homme. Mais il m'a dit, je pense que je prendrai un animal. Voilà, parce que notre petit toutou à nous, c'est un amour. Et voilà, il m'a dit, une femme, c'est trop casse-couille. Et j'aurais eu une casse-couille, donc autant pour prendre une autre. Donc voilà, mon surnom, c'est casse-couille nano. Donc voilà, ensuite, deuxième question. Putain, si je mets autant de temps à répondre, il y a 17 questions, la vidéo elle va durer. Donc on va essayer d'être moins pipette. Ça, c'est pas possible chez moi. Bon, voilà, là il y a du vent, mon cahier s'envole. Alors, êtes-vous lectrice en dehors des loisirs créatifs? Si oui, quel style de lecture? Alors, en étant franche avec vous, je ne lis pratiquement pas, à l'exception quand je suis en vacances. J'adore prendre un bouquin et à la plage, bouquiner là sous le parasol parce que je suis pas madame expo soleil, même si j'ai une peau qui prend très vite le soleil, je déteste faire le grille-pain. Donc moi j'aime bien être tranquille sous mon parasol, à écouter le bruit de l'océan. Et donc, je prends un bouquin. Alors, il fut un temps, quand je ne faisais pas de diamond painting, et ben je lisais pendant que mon mari faisait sa petite sieste et tout. Parce que quand il fait chaud l'après-midi dans le sud-ouest, on se met au frais. Hein. Donc, du coup, on ne va pas à la plage à 15h. Hein. Donc, j'aime bien lire pendant mes vacances. Et quel type de livre? Alors, c'est plus ou moins des livres à l'eau de rose, alors pas genre Harlequin, tout ça, non, c'est pas ça. J'ai un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Marie-Agnès Lugan, qui fait des belles histoires, aussi bien d'amour, d'amitié, tout est dans la... Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un live, je vous avais montré un livre, et franchement, j'aime bien, c'est de la lecture simple, qui prend pas la tête. Donc ça, j'aime bien lire ce genre de livre.
Voilà, ou alors j'aime bien lire des belles histoires, des histoires qui finissent bien, pas forcément des histoires d'amour, ou voilà, donc j'aime bien. Mais j'en lis pas énormément. Donc franchement, si je lis 2 livres par an, voire 3 livres par an, c'est un grand maximum. Je ne suis pas une grosse lectrice. Même quand je prenais le RER, j'arrivais pas à lire dans le RER. Allez, hop, encore un. Vous voyez, il y a quand même pas mal de diamants avec des écrous. Donc du coup, non, je lisais pas dans le RER. Donc dans le RER, je faisais des jeux, j'écoutais de la musique. Donc non, et puis je sais pas, je trouve que ça me donne mal à la tête de lire dans les transports. J'en vois là qui sont dans leurs bouquins. Moi, je sais pas comment ils font. Parce que moi, j'aime bien quand il n'y a pas de bruit autour de moi. T'es reposé, tout ça. Moi, j'ai du mal à lire quand il y a plein de bruit autour. Ça me gêne. Donc voilà. Question 3. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à la tienne? Ah bah alors là, oui. Oui. Alors par contre, si plus ou moins on est abonné et puis que la personne, on n'a pas d'affinité ou que ces vidéos, je ne les regarde pas parce qu'elles ne me plaisent pas, je ne vous cache pas que je me désabonne. Voilà. Mais en priorité, la personne qui vient sur ma chaîne et qui s'abonne et qui a une chaîne YouTube, forcément, je suis abonnée à elle. Et si je me désabonne, c'est qu'il y a une raison bien particulière, propre à moi. Donc voilà, donc je me suis désabonnée de certaines chaînes que je ne regrette pas et je me suis rabonnée à d'autres que je ne regrette pas. Alors la dernière en date, c'est la vidéo, la chaîne de Laurence, qui est donc une de mes abonnées fidèles depuis très très longtemps. Elle s'est lancée dans la création de sa chaîne. Donc elle m'a envoyé un message pendant que j'étais en vacances. Donc Laurence. Alors ça doit être Tempérance quelque chose, donc, ou les Tempérances, je ne sais plus quoi. Donc je vous mettrai le lien, comme ça vous irez vous abonner. Allez tous vous abonner, ça va lui faire plein d'abonnés, puis elle va être contente. C'est une très très belle personne qui a beaucoup commenté beaucoup de chaînes des copines youtubeuses. Et j'aime beaucoup cette personne. Elle est très gentille, très simple, très nature. Pas prise de tête, pas de méchanceté, rien. Donc voilà. Donc voilà, là. Donc là, la dernière chaîne, c'est Lolo. Parce que Lolo, elle était abonnée à la mienne depuis des lustres. Et je trouvais, comme je vous ai toujours dit, j'aime le partage. J'aime quand tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'interprétation ou de méchanceté derrière. Donc je m'abonne et j'aime discuter avec ces personnes-là. Et Laurence, tu sais que je t'apprécie énormément. Voilà. Allez, je tousse. J'ai plus de salive. Question 4. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Ah, alors, j'en profite. La question tombe bien parce que je comptais vous en parler. La chaîne, elle va avoir 2 ans. 2 ans le 29 juin. Donc, du coup, je vais lancer un joli concours. Donc, je pense que ça sera peut-être le jour des 2 ans de la chaîne. Donc, le 29, il faudra bien que vous soyez là sur la chaîne. Je vais faire gagner 2 ans, donc dit 2 toiles. Il y aura donc une toile Oraloa. Voilà, puisque comme vous savez, je suis en partenariat avec Oraloa. Donc, je vais vous faire gagner une des toiles que j'ai eues en partenariat. Je trouve ça tout à fait logique. Je vais également vous faire gagner une autre toile d'un de mes partenaires Chichi. Donc, je ne sais pas laquelle encore, quel partenaire et quelle toile. Mais je vous ferai choisir 2 toiles. Donc vous participerez si à telle ou telle toile. Et puis on fera un tirage au sort, je pense qu'aux alentours de mi-juillet. Comme ça, avant de partir en vacances, ça va permettre à tout le monde de laisser le temps de répondre. Parce que je sais qu'au mois de juin, entre les fins d'école, les kermesses, les spectacles et tout ce qui s'ensuit, on est les mamans qui ont des jeunes enfants, vous êtes bien occupées. Donc vous avez autre chose à faire que de regarder le monde de YouTube. Donc du coup, je vous laisserai du temps pour répondre. Voilà. Ensuite, question 5. Combien de fois par an changes-tu la déco de chez toi? Alors, combien de fois? Donc comme je vous ai déjà expliqué, comme vous êtes fidèle à ma chaîne, normalement,
Vous savez que j'aime changer la décoration intérieure de chez moi en fonction des saisons, des événements de l'année. Voilà, ça c'est typiquement nord de l'Europe et j'aime beaucoup ça. Donc, alors on va compter ensemble. Donc, on va commencer. Janvier, je change pas. Février, je mets. Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup de points de croix puisque ma passion première était le point de croix, donc le point compté. Donc, j'ai beaucoup de cadres sur le thème du point compté. Donc, j'ai la possibilité effectivement de changer en fonction plus avec du point compté qu'avec du DP. Alors, on va compter. Février, je mets l'esprit montagne, neige, tout ça. Ensuite, on va plus aller sur Mars sur le printemps. Avril, généralement, c'est Pâques, donc je mets Pâques. Mai, muguet. Juin, juillet, août, c'est plus l'été, les cerises, tout ça. Ensuite, septembre, la rentrée d'école. Octobre, je mets Halloween. Novembre, je mets plus déco d'automne. Et décembre, Noël. Donc, je change ma déco, ouais, 9 fois dans l'année. Donc, c'est pas mal, hein? Donc, ouais, j'adore ça. Voilà. Et ça fait des années que c'est comme ça. Je crois que j'ai oublié Noël, non? Oh, j'ai peut-être oublié Noël. Oh, ma saison préférée, Noël. Ou je sais pas. Donc, pas 9 ou 10, hein. Vous reverrez. Quand je m'écouterai, je verrai que j'ai fait une connerie ou pas. Mais, ouais, je change 9 ou 10 fois ma déco à la maison. Alors, je ne change pas toutes les pièces, hein. Vous allez me dire. Tu mets du papier toilette, tu changes tes serviettes de bain. Non, je change que sur le bas et salir et le salon. Par exemple, quand c'est l'automne, bah, j'ai des faux petits champignons en sujet. Donc, je mets des petits champignons avec des petites pommes de pin. Quand c'est Noël, ah, par contre, Noël, vous connaissez ma déco, il y en a partout. Halloween, un peu moins. Hein, je mets des petites citrouilles. Pâques, je mets des petits lapins et des œufs de Pâques. Voilà. Donc, je fais des trucs assez. Voilà, j'aime bien. Ça évite la monotonie. Il y a toujours les mêmes choses sur les murs. Et voilà, donc je faisais ça quand j'avais mes enfants, ils adoraient, on faisait ça ensemble. Maintenant les enfants sont partis, mais bah, je le fais pour moi. Hein. Ou alors quand mon petit-fils vient, mon petit Tom, il vient, bah voilà, chez mamie, c'est décoré, donc il aime bien aussi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a du mal à coller, hein, je ne vous cache pas. Hein. Enfin, c'est peut-être la chaleur. Hein. Question 6, comment as-tu découvert le diamond painting? Alors j'avais déjà répondu à un tag, je crois. Donc pour les anciennes, vous devez savoir. Pour les nouveaux, vous ne savez pas. Donc bah, comme la question est posée, bah, je vais y répondre. J'ai connu le diamond painting par l'intermédiaire d'une collègue à moi, une ex-collègue, avec qui on s'est retrouvés tous les deux en arrêt de travail, elle pour dépression. Et moi, j'étais en, comment dire, en attente d'un licenciement. Voilà, donc on n'allait pas bien toutes les deux à cette époque-là. Et donc elle faisait du diamond painting et elle me dit, tu verras, ça te fait vachement du bien à la tête et tout, tu devrais essayer. Donc moi je faisais du point compté, parce que je fais du point compté depuis que j'ai 13 ans. Et j'ai dit, ouais, c'est quoi ton loisir créatif, machin. Donc je faisais déjà de la peinture par numéro, tout ça. Et du coup, bah, elle m'a dit, viens. Donc je suis venue chez elle et j'ai adoré. Donc elle m'a initiée au diamond painting. Donc elle par contre, elle commandait uniquement chez Amazon. Donc ma première toile, c'était la fée Clochette qu'elle m'a achetée. Elle m'a acheté la laque, elle m'a acheté ma tablette. Enfin, c'était un amour. Donc j'ai fait le diamond painting avec elle, mais je faisais que du rond. Alors ça, c'est un message pour Marie. Marie la Belge, oui, j'ai démarré par que du rond. J'étais team rond. Et ensuite, ben, j'en avais un que j'avais. Et puis, il y a eu le Covid et tout ça. Donc, ma fille, avant tout ça, elle passe à la maison. Elle me dit, ah, maman, t'as pas un petit loisir créatif à me filer, mais pas du point de croix, machin et tout. Donc, je lui ai filé une toile de DP. Et puis, ben, après, j'ai un peu laissé tomber. Et elle a continué. Elle en est devenue fada. Elle a monté sa chaîne. Et moi j'étais admirative, hein, j'étais heureuse pour ma fille. Alors, mon grand désespoir, c'est qu'elle fasse pas du point compté, mais bon, ça c'est autre chose. Parce que je l'avais initiée, elle en avait fait un petit peu, mais ça l'a gonflée. Et j'étais tellement fière sur le diamond painting. Donc j'avais fait encore quelques petits ronds que je faisais de temps en temps, mais franchement, c'était pas aussi fada que je le suis là. Hein. Aussi accro et aussi fada. Et puis elle vient à la maison, je sais pas, un jour, et puis elle nous amène à mon mari et à moi, un cadre qui doit faire 1,20 m, je crois, par 80, 90, d'où mon amour pour les nappes, hein, n'est-ce pas? Et c'est un combi Volkswagen sur le thème du Sud-Ouest.
Et là, j'ai trouvé ça mais magnifique. Il y avait des carrés qui s'emboîtaient, tout ça. Et elle est là, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, mais maman, tu peux faire des persos. Du coup, je suis allée chez Home Fun. J'ai commandé un truc de ouf que j'ai pas. Ce que j'ai fini, hein. Voilà. J'ai fait une toile pour un ami pour ses 50 ans. Dom, si tu passes par là, je sais. Ah tiens, je suis allée chez lui pendant les vacances. Et il n'y est pas. Ah non, mais il doit être accroché. Il a deux maisons, donc ça doit être dans son autre maison. Et puis voilà, donc j'ai repris. J'ai démarré ma chaîne grâce à. Du coup, j'avais Didine avec qui on se papotait via Facebook. Qui, elle avait sa chaîne qui m'a dit, mais vas-y, lance-toi, lance-toi. Donc, Julie et Didine, elles m'ont aidée. Et puis donc, j'ai fait ma chaîne le 24 juin. Donc 2021, et j'ai démarré ma chaîne avec une toile Diamond Art Club. Je m'en rappelle toujours. Donc le petit, vous savez, le petit dinosaure que tout le monde a fait, et il n'est pas fini. Hein. Il est toujours là d'ailleurs, il va falloir que je le finisse. Donc je m'étais dit, ouais, je vais le faire pour mon petit-fils. Ouais, il a 2 ans, il n'est pas fini. Hein. Donc bon, c'est pas grave, je vais le finir. S'il sera pour un cadeau, sinon je le garderai. Mais il faut que je le finisse. J'étais en train d'y penser en même temps que je vous parlais. Va falloir un petit peu que je regarde un peu ce que j'ai entamé. Il y en a pas mal et que j'ai pas fini. Il y en a que j'ai fini. Je crois que cette année j'ai battu le record de toiles finies. Bon là j'ai du temps en plus. Donc du coup je fais du diamond painting et puis ça m'aide bien à avancer dans mes projets. Donc voilà, tout ça pour vous dire. Pour vous dire à quoi déjà? Ouais, voilà comment j'ai découvert diamond painting. Non mais je pars en cacahuète à droite, à gauche. Moi si on m'arrête pas. C'est vraiment dramatique. Alors, est-ce que tu as encore des petits, hein, ma petite nanou? Je vais mettre sur ta toile. Non, j'en ai pas. Alors, on va changer de couleur. Donc là, on va faire du 2. Bien sûr, c'est pas ça, nanou. Alors, j'ai eu la flemme de mettre dans mes, comment dire, dans mes compartiments. Là. Merde, c'est pas la bonne. Donc, du coup, j'ai gardé les. Puis en plus, c'était sachets zippés. Et vous allez me dire, mais Nano, t'as fait une boîte à sachets à thé, t'avais dit que tu mettrais tes sachets dedans. Et tout. Non, ma boîte à sachets à thé, maintenant, elle sert à ranger mes diamants zippés de chez Oraloa. Voilà, donc du coup, les diamants zippés, voilà, j'ai un grand plateau et je les ai mis dedans, mais c'est pas top. Donc après, c'est un petit projet qui va aller vite, donc du coup, ça restera comme ça. Mais je vous avoue que quand même, je préfère quand mes diamants, ils sont rangés dans mes boîtes. Hein. C'est quand même plus sympa. Alors là, on va attaquer. Alors, on peut voir, hein, c'est à peu près la même couleur. C'est un bleu ciel. Alors, on était où à la question 7. Que préfères-tu en cuisine, le sucre, le salé? Et quel est ton plat préféré? Est-ce que tu détestes? Alors, moi, je suis une gourmande de chez Gourmande. J'aime aussi bien le sucré que le salé. J'aime bien la bonne bouffe, les bons petits plats. Et tout ce qui est bon, j'aime. En résumé. Bon, après, je suis plus une sucrée que salée parce que j'adore les gâteaux. Mais franchement, un bon petit plat, voilà quoi. Oh, des gambas, une spécialité du sud-ouest, une spécialité espagnole, une spécialité portugaise. Enfin voilà, donc ouais, j'aime bien manger. Donc franchement, j'aime la cuisine. Plus sucré que salé, mais j'aime bien. Et mon plat préféré, ce que je déteste, bon alors mon plat préféré, c'est les, j'adore les gambas ou les crevettes, donc je m'en pèterai l'estomac. Ou les coquilles Saint-Jacques. Oh là là, ça fait trop bon. Alors ça j'en mange plus salivaire parce que c'est la saison. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Petite persillade de coquilles Saint-Jacques à la poêle. Mmh, il est persil, c'est trop bon. Et après j'aime aussi le sucré, donc tout ce qui est fondant chocolat, base de chocolat, ou alors tout ce qui est à base de fraises, le tiramisu à la fraise, un fraisier, j'aime la fraise, donc voilà. Et alors ce que je déteste, j'aime pas le brocoli, j'aime pas ce que ma mère elle aime, hein, elle me dit mais si tu devrais manger qu'on mange dans le sud là, ah les blettes, blablabla, je peux pas. Qu'est-ce que j'aime pas encore? J'aime pas les abats. Alors, pas les. J'aime le foie. Le foie de veau, par exemple. Je trouve ça très très bon. Et j'en ai besoin pour mes soucis de santé. Donc, ça, j'adore ça. Mais c'est tout ce que je mange. Parce que je déteste tout ce qui est tripe. Oh, l'odeur de tripe. J'ai un mari qui adore ça. Quand il cuisine ça, oh, ça me donne envie de vomir.
Pourtant, je suis issue d'une famille du monde des tripes, hein, n'est-ce pas? La Normandie, le cheval, mon époque, mon grand-père, on mangeait des pieds de cochon le dimanche ou du roast beef. Et ouais, je sais, j'ai mangé du cheval. Et ouais, parce que ben, je suis quand même un pays où il y a du cheval. Et ils élèvent les chevaux, mais ils les mangent aussi, donc en Normandie, voilà. Donc du coup, je peux plus manger tout ça. Je peux plus. Le cheval, les tripes, tout ça. C'est pas parce que c'est lié à mon enfance, hein, parce que non, j'ai tellement de top souvenirs et que des fois j'aimerais bien retourner à mon enfance. Mais ça, je peux pas. Je peux pas. Donc voilà. Crois-tu en la vie, n'importe quoi. Crois-tu en la vie après la mort ou pas? Eh ben ouais. Ouais, j'espère que je vais revenir. Moi qui suis une flippette des bruits et des fantômes et tout ce qui s'ensuit. Alors, si je pouvais me réincarner en fantôme et que j'aille, et franchement, ça c'est véridique, chez certaines personnes qui le soir, quand on fait des lives, qui me fait peur, je ne les nommerai pas et elles vont se reconnaître derrière l'écran. Ça, franchement, si je pouvais me réincarner en fantôme et j'ai leur touché les doigts de pied, ça serait bien. Ou des pestes qui m'ont fait du mal, ou des méchantes personnes qui m'ont fait du mal, si je pouvais aller hanter leur nuit, ça aussi, j'aimerais bien. Mais non, j'aimerais bien être réincarné, si je pouvais, en quelqu'un de bien. Non, pas que je ne suis pas quelqu'un de bien. Genre, ouais, je suis quelqu'un de bien. Mais, alors je ne voudrais pas être réincarné en mouche, hein. Ma durée de vie, elle doit être limitée. Parce que surtout, si on passe chez une maison comme la mienne, les mouches, elles vivent pas longtemps. Donc, je sais pas, c'est quoi qui vit le plus longtemps, là, les centenaires chez les animaux. Je sais pas. Donc, si je devais être un réincarné en animal, celui qui vit longtemps, avec qui on viendrait pas faire chier. Mais franchement, je préférerais être réincarné en humain et en quelqu'un de bien. Et j'espère lui apporter... les belles choses qu'on m'a apportées. Et puis en plus, je lui apporterai le loisir créatif. Voilà. Elle serait vraiment top, cette personne. Ben ouais, franchement. Bon, ouais, j'ai les chevilles qui enflent. Voilà. Question 9. Quel est ton loisir créatif préféré? Alors, vous m'auriez posé la question il y a 4 ans en arrière. Je vous aurais dit, c'est le point compté. Puisque j'ai fait du point compté depuis l'âge de 13 ans et j'en ai fait. Et là, depuis 3 ans, c'est le diamond painting. Et je suis accro, quoi. Une vraie droguée. Je ne sais pas si vous êtes à l'heure. Tiens, vous allez me donner en commentaire si vous êtes aussi accro que moi. C'est-à-dire que je suis dans les transports, je travaille, machin. Et la seule chose qui m'intéresse, qui me dit, ah, vivement soir que je fasse du DP. Ou là, je suis partie 15 jours en vacances. J'ai emmené du DP, mais j'en ai pas fait parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, je me disais, oh, vivement que je rentre, que je fasse du DP. Mais je sais pas si c'est grave, docteur, mais bon, voilà quoi. Donc, je suis vraiment accro et au diamond painting. Je suis accro à vous, je suis accro à la chaîne. Je suis accro aux belles toiles, aux belles personnes que j'ai rencontrées. Donc franchement, c'est un loisir créatif qui me correspond beaucoup plus que le point compté. Voilà. Parce que le point compté, je l'ai fait de mon côté toute seule. Alors après, j'étais dans un point, n'importe quoi. Dans un club de point de croix, j'ai rencontré des personnes. J'ai aidé des créatrices parce que du coup j'avais des copines qui se sont lentées dans le monde de la création. Donc j'ai énormément de créatrices en point compté avec qui j'ai lié d'amitié et avec qui on est toujours. D'ailleurs elles m'ont dit ouais, tu fais plus de point compté, hein. Tu nous déçois. Donc c'est vrai. Mais je leur ai dit, vu le stock que j'ai, vous inquiétez pas, j'espère un jour être en retraite, hein, parce qu'avec Manu c'est compliqué là. Donc pour pouvoir vraiment reprendre un peu le point compté et alterner point compté, point de croix d'ailleurs, et diamond painting. Des fois je me dis putain, mais qui nous remettent en confinement, hein. D'ailleurs, s'il pouvait y avoir une nouvelle épidémie, hein, n'hésitez pas, moi ça m'irait, hein. J'ai un stock, mais je ne m'emmerderais pas. Mais alors à un point, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment je ne m'emmerderais pas. Voilà, sur ce, donc ça c'était mon loisir créatif préféré. Quel est ton chanteur préféré?
mon chanteur préféré, mon chouchou, number one. Je vais chanter. Ah bah, je suis obligée de chanter. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Ouais, Patrick Bruel. Donc ça, c'est mon chanteur préféré. Je l'ai vu plein de fois en concert. J'ai tous ses albums. Je le kiffe. J'ai même eu sa photo sur ma table de nuit quand j'étais en couple avec mon mari. Ouais, bah, il y en a, ils avaient leur poster au-dessus de leur lit. Bah, moi, même encore mariée, j'avais la photo de Patrick Bruel sur mon lit. D'ailleurs, mon mari m'a fait une crise un jour. Il m'a dit, t'es mariée avec Patrick Bruel ou t'es mariée avec moi? Donc là, j'ai bien senti le message. Donc, j'ai retiré la photo. Donc voilà, lui, c'est mon chanteur préféré. Ensuite, il y a d'autres chanteurs qui se sont, rapprochés de lui et que j'aime énormément. Donc, j'aime Calogero. J'aime Julien Doré. J'aime Patrick Fiori et j'aime Christophe Maé. Voilà, donc ouais, je suis très française, donc très chanson française. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mes chouchous quoi que je suis, que j'aime bien. Et dans la nouvelle génération, ben, j'ai un peu de mal, hein, je vous avoue que il n'y en a pas un qui me kiffe. Si j'aime bien Slimane. Ce qu'il avait fait avec Vita, j'aime beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et après, avec mon mari, on a vraiment un point commun. Alors, avec mon mari, on a un point commun au niveau des chanteurs. C'est un groupe de chanteurs américains qui a du mal à venir en Europe et qui sort très peu d'albums et qu'on kiffe. C'est Jon Bon Jovi, du hard rock. Mais pas vraiment du hard rock, c'est plus du hard rock romancé quoi. Donc c'est It's my life. Chante pas en anglais parce qu'avec lui mon accent de merde, c'est même pas la peine. Voilà. Et puis après, j'aime les chanteurs des comédies musicales aussi. Parce que je suis une fada des comédies musicales et ça, j'ai inculquer ça à ma fille, donc on est vraiment des fadas toutes les deux des comédies musicales, donc on adore, donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, donc on a dit chanteur, on n'a pas dit chanteuse. Après, si j'avais une chanteuse favorite, j'aime beaucoup actuellement Clara Luciani, j'aime bien ce qu'elle fait. Après, je suis très chanteuse des années 80, donc voilà. Bon, c'est bon. Allez, on arrête. Quel est ton acteur préféré? Alors, je suis très James Bond, très Mission Impossible, très film, amour, machin. Donc, je vais vous dire que j'aime beaucoup Tom Cruise. J'aime beaucoup Daniel Craig. Ouais, c'est des beaux mecs, hein. J'ai pas choisi les moches, hein. Bah ouais, tant qu'à faire. Oh, tant qu'à faire. Donc, ouais. J'aime aussi Patrick Bruel en tant qu'acteur. Qu'est-ce que j'aime bien encore? J'aime bien Harrison Ford, Sean Connery. J'adorais les trucs quand on était jeune, là, qu'on regardait, là. C'était... J'aime bien Pierce Brosnan. Le film Mamma Mia, je m'en lasse pas. Je kiffe, j'adore cet acteur. Je sais pas pourquoi, il a un charisme, il a quelque chose. Je le connais pas, hein. Mais j'aime bien. J'aimais beaucoup Patrick Swayze. Donc voilà. Et puis bah là, il y en a deux que j'aime bien là. Dans les séries Netflix, hein. Dans Outlander, Jamie. Avec son petit cucu, là, il est mimi, lui. Hein. Et puis, j'aime bien l'acteur dans Virgin River. Voilà, il a un charme et un charisme que j'aime énormément. Parce que bah, je pense qu'il doit avoir nos âges. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, quel genre de film aimes-tu? Bah, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Hein. J'aime tout ce qui est films d'aventure, les films historiques. Alors, oui, je vous ai pas parlé de ça, mais j'aime tout ce qui est... Ah ouais, il y avait Geoffrey de Perrac. Oh, j'adorais cet acteur. Comment il s'appelle? Robert Hossein. Bon, il était beau jeune, hein. Il a pris cher en vieillissant, mais bon, voilà.
Donc du coup, j'aime les Angéliques Marquises des Anges. Je crois que je les ai vues. Je les ai archi vues. Si, archi vues. Tout ce qui est à base des rois, là, je regarde les Bridgerton, j'adore. Tout ce qui est histoire de France, histoire d'Angleterre, je suis très histoire, très tout ça, donc je kiffe. Donc voilà, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Je crois que je vous ai dit chanteur préféré, acteur préféré, film préféré. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Ah bah depuis pas, parce que je déteste le point de croix estampillé. Voilà. Donc je suis désolée pour celles qui en fait, ne m'en veuillez pas. J'ai démarré par le point de croix ou ce qu'on appelle le point compté. Pour moi, ça, c'est du point de croix. Donc je vais pas vous plaire. Le point estampillé, je n'aime pas. Je trouve ça pas beau. Laver sa toile, laver ses fils. Quand on fait du point compté, on lave pas sa toile, on lave pas ses fils. Donc on repasse juste et on essaie de pas aller de pas tacher. Donc voilà. Donc non, j'aime pas. Donc voilà, cette question n'est pas pour moi. Comment as-tu découvert le DP, le point de croix? Bah, j'en ai déjà parlé hein, dans une question. Le DP, bah, je vous ai expliqué. Le point de croix, bah, le point de croix, je crois que je vous en avais déjà parlé aussi dans une de mes vidéos. Donc le point de croix, bah, c'est ma grand-mère qui m'a initié au cadran, qui m'a initié au pré-imprimé. Donc c'est pas le pré, c'est pas l'estampillé. Le pré-imprimé, c'est que vous avez les toiles, les croix imprimées sur un bout de tissu. Vous savez, comme des nappes à l'ancienne où on avait le point de tige et tout ça. Et donc, je faisais ça. À chaque fois que je partais en vacances en Normandie chez mon grand-père, il n'y avait pas grand-chose à part les vaches et aller jouer dans le foin avec les copains. Voilà, ma grand-mère m'a initiée. Donc, j'ai fait du point de croix, du canevas. Et le point compté, donc c'est ma copine Corinne. Donc, j'étais enceinte de Juju et qui faisait énormément de points de compté. Et du coup, elle... Je suis restée alitée chez moi et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'allais faire? Alors, si c'était à refaire, hein, je sais que je ferais du DP. Mais du coup, j'ai fait du point compté, du point compté. Donc, j'ai fait des bavoirs, des serviettes, des sorties de bain, voilà. Et donc, voilà comment j'ai démarré le point compté. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Eh ben, pourquoi? Donc déjà, je m'appelle Nathalie, pour ceux qui ne le savent pas. Je n'aime pas qu'on m'appelle Nathalie. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai du mal. Tout le monde m'appelle Nat. Donc ça a toujours resté Nat, Tali, voilà. Et Nanou. Voilà. Voilà. Donc du coup, c'était important pour moi qu'il y ait au moins mon prénom dans la chaîne. Et donc quand je l'ai cherché, bah, il y avait Juju et Didine qui m'ont aidé. Et alors au démarrage, j'allais dire le diamond painting de Nanou et tout ça. Et puis du coup, j'avais dit, ouais, mais tu vas pas faire que du diamond painting. Donc déjà, j'étais avec le point compté. Et puis j'ai dit, allez, les loisirs de Nanou. Donc c'est resté. Et puis je trouve que c'est pas mal, hein, comme titre de chaîne. Non? Vous aimez ou vous aimez pas le titre de ma chaîne? Bon, je ne changerai pas. Hein, je ne vous cache pas. Hein, ça restera comme ça. Hein. Important pour moi. Voilà. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Mon plaisir secret, le chocolat. On parle de diamond painting, j'adore, j'adore. Alors l'hiver, avoir ma tasse de chocolat chaud. En plus, quand on parlait tout à l'heure d'avoir un mari en or, souvent l'hiver, le dimanche après-midi, lui, il regarde ses matchs ou ses trucs comme ça, et moi, je fais du diamond painting. Et vers 4 heures, il monte ma tasse de chocolat chaud avec des petits gâteaux. Voilà, vous savez, un peu comme à Noël avec la guimauve et tout ça. Donc, ouais, chocolat. J'aime manger les gâteaux au chocolat. J'aime manger du chocolat. Donc, ouais, ça, c'est mon plaisir coupable. Hein. Le chocolat, j'ai du mal à résister. Hein. Donc, chacun son truc. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne. Non, j'aime le chocolat. Voilà. Et pendant que je vous parle, il y a un petit oiseau, là, il s'est posé à côté de moi et il croit que j'ai à manger. Sauf que, ouais, petit oiseau. Vous avez entendu son battement d'ailes, il est parti. Je lui ai dit, ben non, j'ai rien à manger, il fait trop chaud là. Là, par contre, le chocolat, c'est de la glace au chocolat, hein, c'est pas du chocolat. Que penses-tu des diamants de painting ronds? Bon, je suis pas team rond, je suis team carré.
Mais le rond, c'est bien, hein, de temps en temps. Hein. Quand tu fais que du carré, voilà. Donc, j'en pense pas plus, pas moins. Ça me dérange pas, ça me relaxe. Mais c'est vrai que quand je fais que du rond, il faut vite que je revienne au carré. Hein. Donc, franchement, j'aime bien le carré. Hein. Donc, ouais. Mais bon, il y a des beaux ronds. Donc, bah, par exemple, les ronds de Raloa, pour moi, c'est les meilleurs. Non, pas parce que je suis en partenariat. J'en vois déjà à l'écran qui dit « Ouais, mais t'es partenaire de Raloa. » Non. Quand je dis que c'est pas bien, bah, c'est pas bien. Par exemple, les ronds de chez Dac, j'aime pas. Marie, je sais que tu vas me pourrir derrière l'écran, mais j'aime pas les ronds de chez Dac. Alors, j'ai quelques toiles en rond. J'ai fait la toile de cheminée de Noël en rond. Moi, ça a été une catastrophe. Je me rappelle, il y avait Julie, ma fille, qui l'avait fait, et Marie-Laure, on l'avait fait en même temps. Et il y avait aussi Angélique, de l'autre chaîne. Elles ont eu pas de problème. Pas de déchets, rien. Moi, j'ai eu des déchets, j'ai eu des diamants qui m'ont manqué, j'ai eu des trous dans les diamants. C'était, ça n'a pas été un plaisir. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que je dis Dac. Il faudrait peut-être, alors il semblerait que Dac, ils ont fait des diamants en nouvelle version. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse, c'est retester une toile ronde. Donc je sais pas. Mais il va falloir que le dessin soit ouf. Hein, parce que j'ai du mal. Hein, parce que j'attends là une toile Diamond Art Club en carré. Il paraît que les nouveaux diamants, c'est une catégorie de ouf. C'est ça, c'est Isa qui m'a dit, oh, je te promets, il va falloir que tu testes parce qu'elle n'en revenait pas. Donc bah, écoute, on va tester. Hein. Donc après, chacun fait son avis, chacun a son avis. Hein. Attention, hein, je suis pas là pour vous dire prenez telle toile, tel diamant, machin. Ah non, non, non. Non, non. Chacun fait. Moi, je suis là, je vous donne mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Je sais plus, il y avait une fille qui m'avait contacté, une de mes abonnées, là, qui m'avait dit ouais, Nano, tu me conseilles quoi comme créateur? Je voudrais me lancer dans Diamond Painting. Tout. Et là, j'ai dit ah non, non, je peux pas te dire prends telle ou telle toile. Je peux juste te donner mon ressenti. Mais le mieux, c'est que tu testes et tu feras ton avis par toi-même, quoi. Donc voilà. Donc, je sais qu'elle est restée fan de Raloa. donc, voilà. Alors, et je parle. Eh, on a fini. Oh, on a fait les 17 questions. 17 questions. Bon, bah, c'est bien. Hein. Je ne sais pas combien de temps on en est sur la vidéo. Je verrai quand je vais couper. Du coup... Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je compte sur vous pour me faire des questions parce qu'on va se faire un tag abonné live sur la chaîne. Voilà. Donc, bah, j'avais trouvé déjà l'idée sympa quand j'ai fait mon live improvisé. Merci Marie la Champenoise de m'avoir aidé sur ce coup-là ce jour-là parce que qu'est-ce que j'ai ramé. Et on en parle, on en rit encore. Alors par contre, je prends vos questions, promis je travaille pas dessus, je les prends, on verra combien de temps durera le live, s'il y a 30 questions, bah, je répondrai aux 30 questions, et puis je répondrai en direct. Par contre, je me donne juste le droit, si je vois qu'il y a des questions trop personnelles, je ne répondrai pas, donc je les retirerai, voilà, donc vraiment juste ça. Et puis bah du coup je remercie Catherine de m'avoir tagué, ma petite Catherine, merci à toi. Allez vous abonner sur sa chaîne, allez voir, elle est multi loisirs créatifs, elle fait plein de choses. D'ailleurs on va faire ensemble, elle a déjà démarré, moi j'ai pas encore démarré les petites miniatures, donc du coup elle me conseille à distance, donc c'est génial. Donc je vais taguer les copains pour qu'ils fassent aussi, et puis peut-être que eux aussi ils vont peut-être vous demander des questions en rapport avec elle, et puis ça peut être sympa. Moi je trouve ça génial l'idée, merci Catherine. Alors je vais taguer number one ma soeur, ma petite ch'tite Zaz. Je vais taguer ma deuxième soeur Jackie Diamonds. Je vais taguer ma troisième sœur, Didine, le DP des autres. Je vais taguer ma quatrième sœur, Soso et ses passe-temps. Je vais taguer la cinquième, Mélissa et ses points de croix. Et puis la dernière, c'est une petite chaîne qui... Donc je vous ai parlé de notre amie Laurence, donc je tague Laurence de la chaîne Tempérance. Et enfin, la dernière que je tague, c'est une autre petite chaîne que j'aime beaucoup. Je me suis abonnée il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'adore l'écouter. Donc c'est la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Voilà. En plus le titre j'aime bien. C'est une bonne excuse que j'aurais bien aimé donner à l'école. Ah, désolée, je peux pas venir à l'école parce que j'ai créé. Oh, j'aurais trop aimé faire ça. Hein. Mais bon.
C'est pas possible, tu es trop vieille, Nanou, tu peux plus aller à l'école. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que je sais pas combien de temps on a papoté, je vous ai pas trop saoulé, et puis qu'il y en a qui dorment pas derrière l'écran. En tout cas, c'est un plaisir. On va avancer sur cette toile, donc on verra sûrement sur d'autres lives ou d'autres tags, puisque comme je vous ai dit, j'ai d'autres tags à répondre. On va se faire un point parce que j'en profite. Tiens, j'en profite du coup de ce petit blabla tag. Concernant notre fille rouge gorgeous, donc du coup, beaucoup ont fini, d'autres pas, comme moi. Mais bon, moi j'ai une excuse, j'étais en vacances, hein. Il me reste plus beaucoup de cases à finir. Donc, ce que je vous propose, c'est que toutes les filles qui ont fini ou celles qui vont finir, on va se donner rendez-vous fin juin. Donc, on va se dire la dernière semaine de juin et puis le dernier week-end de juin, je ferai une vidéo pour vous montrer toutes vos toiles. Et en plus, je ferai un tirage au sort parmi toutes celles qui ont participé et j'offrirai un petit cadeau à l'une d'entre vous. Donc je suis désolée, je ne peux pas offrir des cadeaux à toutes celles qui ont participé. Peut-être qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, un ou deux cadeaux en plus, voilà. Mais étant en arrêt de travail, mes finances sont un petit peu diminuées. Donc du coup, voilà, je vais essayer peut-être de récupérer des petites choses par chez mes partenaires. Mais franchement, j'ai un cadeau en rapport avec le fil rouge et je ferai gagner l'une d'entre vous. Donc j'espère que celle qui gagnera... Et celles qui gagneront pas seront pas trop tristes. Voilà, donc je vous dis la dernière semaine de juin, vous m'envoyez vos photos terminées de vos toiles. On fera une petite vidéo, je vous montrerai la mienne, en espérant qu'elle soit finie, en étant honnête avec vous. Et puis on fera un tirage au sort. Et alors, il y a des copines qui m'ont déjà contacté, qui m'ont dit j'ai adoré ce fil rouge avec toi. J'ai adoré, machin, est-ce que tu veux pas qu'on en refasse un et tout? Et là, je me suis dit, ouais, mais un fil rouge gorgeous, je sais pas, trop de gorgeous, tu le gorgeous. Donc, du coup, il y en a quelques-unes qui m'ont envoyé un message, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc, deuxième question à répondre. J'ai envie de faire un fil rouge avec les petits gnomes. Parce que je sais que on est beaucoup à aimer les petits gnomes, et moi, j'aime bien les petits gnomes. Donc du coup, au niveau image, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait un perso d'une image gnome avec des gnomes de Noël. Alors je ne sais pas s'il y a celui-là ou alors où je trouverai une autre image. Je crois que c'est Catherine qui m'a envoyé des images de gnomes, j'en ai trouvé. Mais si vous en avez des belles images où vraiment on peut faire un... Pas où il n'y en a qu'une tête et que ça là, c'est un peu comme les gorgeous, on avait 7 gorgeous, il y avait de la couleur et tout, c'était sympa. Donc, cherchez, si vous voyez une belle image, envoyez-moi. On fera un vote et je pense qu'on fera ce fil rouge sur... en étant honnête avec vous, j'ai un gros projet personnel. Je ne sais pas ce que ça va donner d'ici la fin d'année. Donc, si tout va bien, on va se le lancer au mois de novembre. Si en fonction de mon projet personnel qui est avancé, je ne peux pas, on le fera plus tard. Donc, mais gardez-vous dans la tête qu'on va faire un fil rouge gnome. Gnome, comme dirait ma copine Isa, et essayez de trouver des belles images, envoyez-moi, et puis comme ça nous laissera du temps pour commander en personnalisé, qu'on soit tous d'accord, qu'on aille plus ou moins chez tel ou tel vendeur. Je vous dis tout de suite, j'irai pas chez Advance, voilà. Sachant que la gorgeuse que je fais, s'il avait fait chez Home Fun en perso, et qu'il y a des AB, donc je pense que je retournerai chez Home Fun au niveau des AB. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que tout le monde ne dort pas après cette vidéo blabla. Et je vous embrasse bien fort. Et je vous dis aloha!